Bonsoir ton tube, bonsoir bonsoir, bienvenue bonsoir, sur Comme d'habitude Gaming. Bonsoir ton tube. Avec Shinai. Oui, l'autre ne peut rien nous faire. Il ne peut rien nous arriver. Il ne peut rien nous arriver, mais conjonction de coordination qui marque une opposition. Exactement. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de claquer un lieutenant avant d'utiliser un capitaine? Pas du tout. Pourquoi? Parce que le prochain qui... ceux qui jouent après, nous touchent. Sans exception. Non. Si. Bah non. Bah si. L'équipier, il nous atteint pas. Moi, je te parle du tueur à gage et du ravageur. Qui joueront juste après. Mais vas-y, vas-y. Joue comme tu le sens. Ah, oui. Mais du coup, ce sera le tour où bouge mon capitaine. Mmh. Ah oui, mais attends, tu veux dire que je l'atteins pas, c'est ça? Ouais, je l'atteins pas. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ah oui, oh, pff, j'ai déjà une belle grappe. Non, je suis d'accord avec toi. J'ai déjà une belle grappe. Tirailleuse, elle est ici. Hein? Allô? Oui, voilà. Comme ça. Voilà. Donc lui, ne nous intape. Oh, j'y arriverai pas avec le mot. Le mot est trop compliqué pour moi aujourd'hui. Hein. Avec sa zone pourrie de 2 mètres, je ferai jamais rien. J'aurai jamais les deux socles là. Avec mes 2 mètres à la con. Si je me mets là, jamais je les ai. Ok, bah, jamais je les ai. Et ça, concrétique et sutré contre les ennemis sans garde. Ah, certes, mais le monsieur il a une garde. Il a toujours une garde. Ok. Et donc là, je vais me prendre le gajo dans la gueule. Adjugé. Débarrasser du ravageur si tu veux. Non, surtout si tu peux nous gérer les. Le ou les deux cons, comme tu veux. Hmm. Le prochain à jouer, ça y est, le ravageur il a joué donc. Non, je parle de celui-là. Moi. Duquel? Je parle de celui-là, c'est l'équipier qui a joué. Ah celui-là. Oui. Il joue quand lui? Pas tout de suite visiblement. Pas tout de suite. Comme tu le sens tu. Bah sauf si t'es pas capable de tuer le tueur à gage. Mais je pense que vu qu'il y a encore aucun d'entre eux qui a joué, c'est peut-être le moment de placer un Zinlen ou un truc comme ça, je sais pas. C'est ce que je comptais faire. Tabasser celui-là pour te le dégager, assurément. Non mais engagé contre moi, il ne pose aucun problème, il arrange tes dagues. Tes couteliers, ça, ouais. Ça les arrange donc. C'est vrai, c'est vrai. Vaut mieux que tu plombes un tueur à gage pour le coup. Enfin, un type qui. Un type. Là, les deux types, hein, si tu les as dans ton champ, c'est pas mal. Hein. Tu te lesquels passes, c'est de là, là c'est de là, ouais. Que moi, je mal. Pensais plutôt mettre une zone par là en fait. Bah, en vrai, c'est pas très intéressant parce qu'encore une fois, t'as le rocher qui te gêne. Ouais. Donc les mecs vont toujours contourner ce qui va t'emmerder. De ouf. Et le premier qui va se pointer ici, il va venir t'accrocher la face. C'est tout ce que t'avances ? Oui. Tu vas comprendre pourquoi. Donc okay. Lui... Le but, t'auras la riposte de l'autre. Sur l'autre. Et je vais m'avancer un poil donc plus. J'aurai la riposte sur qui ? Ah, ok. Là, t'es au milieu. Et je les touche surtout à max distance pour me générer okay. Des points supplémentaires. Ah l'enfoiré de merde. Il va taper les deux. Enfoiré là. Putain, qu'est-ce qu'il court hein, le mec? Parlons. Une attaque d'opportunité. Non, ok.
Tu veux que je te bouge des gens dans ton champ de... Genre lui je peux le bouger hein. Avec un lieutenant... Vas-y, si t'as envie de le par bouger, exemple. Bon, je sais pas, je te propose, hein. C'est des propositions. Tu peux me dire oui, tu peux me dire non. J'ai toujours pas joué Taurus, si quelqu'un... Par hasard, petit cri de guerre là, comme ça. Joue Taurus, on est bien paqué en plus. Qui veut un petit cri de guerre? Madine. Un petit cri de guerre, Madine. Voilà, excellent. Voilà. Ah oui, il me renvoie une partie des dégâts. C'est pas mal. Ah, il est stylé, le gars. Ah, il est stylé. Ah, il est stylé, hein. Mais ton style était insuffisant. Cool. Cool, cool, cool. Si je viens genre par là, comme ça. Tac. Et là, ils vont perdre 15% de leur armure à la fin de leur tour. Voilà. Tac. Quoi? Je peux pas? Ma gueule. Parce que je peux pas courir à travers les rochers. Ta mère! Ta mère est un hamster. Ah! Bon, je reste là. Le prochain à jouer, c'est un bouclier, c'est un équipier qui peut atteindre. Ouais, que des tanks, hein, donc Imhotep ça va. Enfin, que des tanks, bien que Taurus c'est pas le meilleur des tanks, mais. Là par contre, il t'atteindra si jamais tu bouges ça. Non, mais j'essaie de regarder ce que je peux faire en fait. Bah, idéalement, je vais me débarrasser du mec qui a là en fait. Donc je vais prendre une petite... Attends. Est-ce que dans termes d'urgence... Parce que tu veux te débarrasser de lui, c'est ça? Non, pas spécialement. En fait, là, il faudrait que un des deux lanciers bouge pour me libérer la place avec Mélanie. Je suis d'accord pour déplacer Stivian. Parce qu'en déplaçant Stivian, je peux pousser ce bâtard, là. Starba, là. Et poser une zone qui fait que lui, il va se la prendre dans la gueule. C'est qui, ouais. Sauf s'il décide d'aller viser Taurus. Ce qui est probable aussi. Dans ces cas-là, il faudrait que je le positionne seul au milieu. Vas-y. Voilà. Il est géré de façon exceptionnelle. Je suis même étonné moi-même. Stivian m'a impressionné. Je sais pas après. Quel est le prochain qui joue? Il est loin. C'est un archer. Regardez, ouais, ça sent la flèche de loin, mais. Je peux faire un truc drôle, mais ça va coûter un point. Vas-y, fais ce que tu veux. Ah oui, tu veux te faire toute la lignasse là? Allez. Ah, j'en ai que deux. Comment ça? Attends. Bah, ils me comptent pas en ligne en fait. Ah, ils sont pas en ligne. Ils sont pas alignés là? Non, ils sont pas alignés. Ah, c'est à cause là. Du porte-pec qui te gêne là? Parce que là, ah, là ouais. Les trois, normalement, excuse-moi, ils sont quand même bien alignés là. Juste sous ta gueule. J'essaie de trouver l'angle. Non, j'en ai que deux, hein. Ah, salope, LT, va. Ah par contre t'as peut-être, je sais pas jusqu'où tu tires. Jusqu'où tu tires. Ah c'est bon, j'ai les 3. Un Invade Rai. Ouais les 3. Allez, après il les pousse sur la glace. Voilà. Oh il faisait mal hein. Ouais tu peux encore pousser quelqu'un si tu veux oh, genre lui. Bon, ah bah non, c'est dommage. L'autre c'est l'autre qui a bouffé. Mais voilà. J'ai trouvé ça très drôle. Voilà, lâcheté. Voilà. Ouais, le prochain à jouer, du coup, c'est un ravageur. Est-ce que tu as des choses à dire ou à faire?
N'oublie pas qu'il y avait un barbu pas très loin, si jamais. Un barbu? Il y avait l'homme, juste là, si jamais. Ouais, mais je peux pas. J'ai pas ouais, le. C'est, si, parce que si t'étais mis plus là. T'as pas la course avec lui? Si, j'ai la course. Parce que si t'étais mis. T'avais visé plus là, t'aurais pu courir, tac. Puisque là, le rocher va te gêner. Du coup, tu vas pas pouvoir faire une course pour venir te mettre. Je pouvais pas la faire de toute façon. Mais, si, t'aurais pu si t'étais venu ici. Parce que là, le caillou te gêne. Parce que ton axe n'est pas bon en fait. T'as un caillou au milieu alors que si t'étais venu par là. Tac, 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 il n'y avait pas de caillou au milieu. C'est presque. Ah oui, il était pas engagé contre moi, c'est ça? Non, il était pas engagé. C'est dommage. C'est dommage, j'aurais aimé le voir se prendre un coup de bouclier épais en plus dans la gueule. L'acharnement! Ouais. Je peux aller caquer le monsieur là. Vas-y, va caquer le monsieur. Je vais boucaquer le monsieur. Boucaquer monsieur. Il aura plus de force que toi. Oui, oui, bien sûr. Ce qui est un vrai problème, hein, évidemment. Ah non, il a que 50 de force, hein. T'en as 49. Je lui ai rien fait. T'en as que 49. Oui, oui, je ne lui ai rien fait. En effet. Ouais, vivement qu'on trouve le. Alors lui, il est mort. Bah, le problème, c'est qu'on a raté ce personnage et tant qu'on pourra pas lui refondre ses. Vu qu'on peut pas lui refondre ses stats. Il y a des gens engagés. Engagez-vous. Oh, gaspille peut-être pas tes couteliers. Bah, plutôt peut-être sur lui. Parce que moi, j'ai encore un Will qui peut pousser ce connard. Hein. Il peut pousser ces deux cons là. Ouais, d'accord. Bon, bah, fais-toi un tour du crime. Hein. Pour Attends, peut-être tu allais tuer lui d'abord. Lequel? Lui là, celui qui est dans le cercle. Non. Il gagne un point. Il va mourir tout seul. Oui, c'est pas fou. Ah bah d'ailleurs, tant qu'à mourir tout seul, est-ce que tu donnes... Ah non, tu joues Mélanine. Ouais. Ok. Parce que sinon j'allais dire, ah c'est peut-être le moment de donner un petit boost sur Zidlen et Denal tout ça là. Ça aurait été pas mal. Je vais le faire avec le lieutenant Will après. Garde Mélanine sous le coude, pas trop loin. Oh, genre reste par là où t'es, sauf si te reste encore des attaques, mais... Non, il me reste plus rien. Non, bah bouge pas de là où t'es, alors. Bah, en fait, je fais juste attention que pas partout on peut pas... Ah ouais, viens plutôt par là, justement. Ouais. Voilà. Et enfonce-toi un peu plus vers le rocher. Ah, le chat le... Voilà. Voilà, parfait. Je vais essayer de vous mettre un wheel. Ah... Je vais essayer de Will Aid. Eux ils jouent bien, je trouve. Hein. Ah, les 4 là, ils jouent bien. Son meilleur tour, lui. Ah, lui il est tellement en train de vivre son meilleur tour, je te slick. Et bah voilà. Alors je sais pas si j'ai Zinlen, mais visiblement j'ai Zinlen. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais. Oh, j'ai eu tous tes archers quoi. Ça refait ou pas? Est-ce que ça te refait ta journée? Ça m'en fait. Oh là là. Tu vas le pousser? Pousser, non, monsieur. Tu vas pas faire ça. T'as fait ça. Tu l'as tué, espèce de monstre, va. Monstre! Mon dieu, il était vivant et je l'ai tué. Voilà. Soutiens la troupe, bien sûr. Il y a un rocher qui est bloqué par un bouclier, crois-moi bien qu'ils passeront jamais. Hein. Ils passeront pas. Hein. Parce que bon, elle a peut-être des défauts en termes de force, mais en termes de tanking, bonne journée, les gars. La journée va être longue. Alors le problème c'est que tu peux pas être voilà socle, ça qui est chaud. Il y a une flèche là, t'as envie de mourir. Voilà. C'est dommage que j'ai pas eu Sophia dans mon cercle. Sophia. C'est parce qu'elle lance des couteaux de boucher que du coup ça... Elle lance des couteaux de cuisine, des couteaux de boucher, des couteaux de salle à manger. C'est ce qui l'a séduit, Taurus, c'est sûr. Ça doit être ça, ouais. T'sais, elle lance pas des dagues, c'est... Oh, elle se sert si bien de l'outillage de cuisine. C'est un peu fou, chef, quand même. Un peu taré, mon chef. Bon, pas très rassurant, chef. Est-ce que tu veux jouer ma vigue? Oui, oui, je vais aller l'embringuer, là. Hop, comme ça. Bonjour, je vais... monsieur. Bon, j'ai moins de force, je pense.
Ah, par contre, le bruit de ce marteau est sexuel. Hein. Je... Ah je ouais pas, mais... Moi, j'adore le bruit de ce marteau. Oh, joli crit, hein, quand même. Ouais, bah merci la Galvar. Tu le vois. Ouais, ouais. Une gorge ouais. En moins. Et je vais juste me... Bah non. Le monsieur qui est démoralisé. Ah non, mais lui, il va jouer, lui. Lui, il va jouer, là. Non, non. Ah si, attends, il va jouer bientôt. Attends, je me positionne. Non, je positionne Taurus à côté. Voilà, il y a du soutien psychologique. Ça tiendra. Faut que ça tienne, faut que ça tienne. La flèche d'Athéna. Pour 539, l'abus. L'abus, c'est le plus... Hey, c'est le plus haut dégât que t'as mis dans un mec qui avait un point de vie, quoi. Quel plaisir. J'ai gagné une nouvelle âge, je crois, non? Ouais, t'as gagné une nouvelle hache. Hache à une main en plus, hop, c'est dans ma poche. Améliorable, c'est... et t'as gagné surtout la... notre premier casque, monsieur. Ah, et tiens, t'as des petites iris des neiges. On l'avait rendu, notre quête des iris des neiges, ça va m'en fou à chaque oui, fois. Oui, oui, oui. On a un petit shielda, c'est celui de bouclier. Renvoie 15% des dégâts subis à l'attaquant. Moi, ah, je vois une mavigue avec ça. Moi, je vois une mavigue ouais, avec ouais, ça. Ouais, 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 moi, je le vois bien. Hein. Ouais, ouais, je le vois bien. Hein. Vas-y. Hop. Ah oui, alors on est un peu loin. Hop. On a eu la même idée. Mavig, tu es où? Mavig, tu es là. T'as un grand pavois avec 54 d'armure. Tu perds 13, tu perds 8 de garde, mais tu vas renvoyer du dégât. Et tu vas prendre un casque qui va renvoyer 5% de dégâts en plus. Et qui va donner 2% de crit. Oh, c'est rigolo ça. Oh là là là. J'ai presque envie les 2% de crit de les mettre sur quelqu'un d'autre. Bah t'as pas grand monde en armure bah lourde. Si, j'en ai un. Ah, j'en ai un qui il serait passé à 29% de chance de crit. Bah vas-y hein. J'avoue que j'ai envie, c'est très rigolo. Et ah tiens en fait. Je vais lui enlever. J'ai récupéré ça pour Taurus si jamais ça l'intéresse. Une faucille de lancer fantôme. Ah oui! Des trucs rigolos, ouais, moi je prends. Hein. Ah, tiens, il y a du loup aussi. J'ai pris du loup. Je t'ai remis le bouclier de givracier à vendre ou je le vends ou pas? Ou tu bah, le désosses? Tu peux peut-être le garder pour Taurus après, quoi? Quand Taurus. Il aura plus pourquoi rien. Taurus? Non, non, Taurus, il a muraille! Il a le. Ah oui, avec le hardware tactique! Ah oui, c'est lui qui a muraille, ok. Chaque bonus malus appliqué à la cible, je gagne 15% de dégâts. Bah, en vrai, on peut le revendre. En vrai, on peut le revendre. Le bouclier, il okay. va valoir super cher. Il a 2 étoiles. C'est pas faux. Oh, il est beau, ce de Bardex, son casque. Oh, il a l'air encore moins intelligent. Oh, il a l'air d'un Robocop. Il est parfait. Tu sais que tu peux lui enlever. Eh bien... Comment on ça, peut ne pas le voir. On peut ne pas le voir, si tu veux. Non, non, mais on veut pas voir sa on tête, à ce con. Là, chez moi, bien. Elle est améliorable. Certes, mais actuellement, alors je pense que les 10% de critique c'est grâce à l'huile, oui, oui c'est ça. Ouais. Mais moins 3 de force, elle est niveau 8. Ah, on peut la monter d'un niveau. Mais bah, niveau si 8, elle est moins bien que. Bah, si tu la veux pas, tu me la mets de côté, je vais la prendre moi. Pour briser sur perso. Soigne, applique désarmement à la cible jusqu'au prochain round. En fait, ça m'intéresse pas parce que pour le coup, lui c'est vraiment un tueur, c'est un berserk. Ouais, alors plus, je suis un peu comme ton Zinlen, c'est plus je tape fort, plus je suis content quoi. Ouais, alors si tu peux me garder en fait le bouclier et la hache en fait. Ah, le tu veux les deux vais... Eh ben ouais, bon, je vais se ranger là-haut. Je vais prendre un hachiste. Ah, ok, ok. J'ai 3 de viandas en rabasse. Ah oui, j'ai 3 de carcasses à la con. Oh, on les passera sinon dans un dîner. Ouais, on va faire ça. On va les passer dans un dîner. Hop, je prends le dernier. Je un dîner de con. Exactement. Ah merde. Tu peux T'avais pas fini? Je suis épuisé. Non, non, c'est bon, t'inquiète. En train de faire du rangement d'inventaire. Où est-ce qu'on va là? Je sais même pas où est-ce qu'on va. Oula, oula. Bah là, on va faire la quête de Vernais. Ok. Je te suis, tu connais un passage. Tant qu'à faire, comme on a déjà fait un repos, on va peut-être en faire un. Ah bah voilà, un deuxième à la ville. Un deuxième à la ville. Voilà. Parfait.
Hop, campement. D'ailleurs, on va pouvoir se récupérer un petit billet tant qu'on y est. Ça, non. Ça, sûrement pas. Et ça, oui. Ça, oui. Chose intéressante, c'est que après ce repos-là, on va gagner un point de connaissance. Donc, on va peut-être pouvoir prendre les casques. Ou. Ah oui. Ou. Le renfort du cerf. Pardon, le renfort du serpent colossal. Pour un petit os de barde qui aurait envie de prendre 18% de chance de coup critique. Intéressant. Enfin, on pourra pas en avoir 18 parce que bah on a qu'une seule. On a que deux pattes et pas trois. Ce qui est dommage. Attends, je vais annuler. Je clique pas sur se reposer surtout. Je vais annuler un truc. Je vais quand même nous mettre une petite picole pour pas avoir de malus et un bout de viande comme ça. Parfait. Donc tu peux appuyer. Ok. Cicade. Ou alors les casques. Et boum. On peut prendre les casques aussi. Moi je suis très tenté par les casques. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Déjà parce que ça va nous faire du craft et de la co. On peut même d'ailleurs se débloquer le... Merde. Non. Si. Alors attends. Moi je suis sûr qu'on peut charger une game. Je suis sûr qu'on peut charger. Oui, on peut faire... C'est la sauvegarde d'auto, là. Ça doit être ça, je sais pas. Midi et 39 secondes. On va dire que c'est ça. Ou c'est celle quand on a dû atteindre la ville. Ah oui, parce que t'as une sauvegarde quand tu rentres dans la ville, je crois. Ouais, ouais. Oh, le misclick, quoi. J'ai vu un truc, j'ai cliqué dessus direct. Ah, il vient de gagner orientation. Bravo. Pff, rien à foutre. Inutile. Cannibale est plus utile. Non. Ça permet aux cuisiniers de stocker les cadavres pour se dire « Regardez, on a plus de jours de nourriture !» Voilà, c'est ça. On arrive effectivement... Alors, je sais que t'as pas encore chargé, mais je vais forcer le gaming pour entrer dans la ville. Tac, comme ça, on va directement dans le camp Wuchang. Donc. Voilà. Je peux refaire la popotasse. Dans la popotasse, il y avait ça. Il y avait ça. Il y avait le bout de bois qui allait bien. Alors moi, les trucs qui me font des piles dans des piles, ça m'énerve, ça, par contre. Hein, ça... Tu sais quoi, je vais même garder le pain. Je vais virer les mororas, là. Les mororas ça, de ces morts, là. Ah oui, mais ça donne 10% de critique. Ah oui, donc faut même pas que je les vire, quoi. Faut vraiment que je les garde sous le coude, aussi. On va passer la carcasse. Le ping. Parce que les pains ça pèse lourd. On avait dit une picole pour pas avoir de malus, une viande nulle. Et bah tu me dis de que c'est bon. Je lance le repos. Je suis bon. Ok. Farpé. Hop. Je te mets ça ici, je te mets ça par là. Il y en a un qui a anticipé, hein. Un qui a anticipé le misclickage, je l'ai vu. Hein. Oui. Tac, tac, tac. Ça, c'est bon. Et fallait que je te remonte un bout de bois. Donc tu vois, même en étant pas en forêt, là, on a gagné deux bouts de bois. Hein. Pas mal, ouais. Bah, grâce au bûcheron. Ouais. Je propose de mettre soif de connaissance. Dans la bannière. Oui. 20% de gain de connaissances supplémentaires. Très d'accord. Tu l'as pris, ça y est. Et... Ok. Ouais, bah ce sera bon. Ce sera bon. Ok. Ouais, bah ce sera bon. Je valide les voix. Producteur. Ouais. Et bah let's go forge, hein, je pense. Ouais, avant ça. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais faire un truc. Je sais ah ouais plus quoi. Oui, je voulais faire un truc. Je voulais voir à la taverne, s'il te plaît. Un truc. Ah ouais, de toute façon, je suis sûr qu'on peut souquer les Artimus à la taverne. Ouais, mais... Bon, déjà, prendre de la prime. Ouais, vas-y, je t'en prie. On peut y a pas le... T'es en train de regarder tous les personnages. Voilà. Tu cherches un schiste. C'est ça, mais... Il y a un martelier à changer On change non. La vigue. Y a rien. Y a rien d'intéressant dans les machins. Y a rien, il y a vraiment que des lanciers, des connards. Ah, ça, c'est lancier, archer et couteau.
Bah voilà, si on peut lui vendre ça, un caillou. Un caillou, madame. Le caillou qui brille. Et il y a des chansons à faire. On peut chanter. Alors j'ai une nouvelle souris, alors est-ce que c'est moi qui ai des problèmes de rythme ou pas, attention. Sachant qu'il y a de nouvelles chansons, on va débloquer aussi. Hein. Bah ouais, ah oui, mais alors, il faut débloquer des trucs, débilus, hein. Sur 20. Ouais, mais c'est ça qui est drôle. J'en ai raté deux TTC. Voilà. On a... Oula ! Oh, par contre, ils sont saucés, hein ! Ah ouais ! Ah, ils ont... Excusez-moi, madame. Un saphir, une balle... Alors, une lyre à 8 dollars, un saphir à 20 dollars, et une balle de rousse à 8 dollars. Toujours 36 balles de plus, hein ! Ouais. Moi, je prends, hein. Ouais. Eh ben... On est parti. On est sorti. On est parti de là et on va bah, à la taverne, hein, à la forge. À la forge et après. Tiens d'ailleurs, attends, je check un truc ouais. À mon beau mur. Mon beau mur, il a pas d'huile sur ses sur son épée. Eh ben attends. Faudra on va une force et tout. Alors attends. Dans ce cas-là, on va d'abord aller à l'apothicaire parce que je peux faire des trucs. Ok. Je peux faire des trucs. Notamment faire du givre à chaud. Je peux aussi faire des casques avant de faire tout ça. Alors, t'as gagné du métal, du charbon, du métal. Voilà, des trucs. Ouais. Je peux te faire. T'as besoin de quoi comme huile? T'as dit force, c'est ça? Force et crit. Alors, il va me falloir 5. Mets du sel dans le coffre, s'il te plaît. Combien? J'en ai presque pas. Je t'en laisse 20. Je suis généreux. Bah j'en fais une au moment. Voilà. Tiens, force et affilage. Ok. D'ailleurs, je regarde la masse de Chebest là, de Philippe. Ouais, c'est bon, elle est faite. Elle est faite, la masse de Philippe. Tes souhaits, tes amours, ton mariage. Putain, j'ai plus là, je suis occupé. Tac. La huile de la force. La huile de l'affilage. Voilà. T'as ce capitaine. Et on peut sortir quand tu es prêt. Oh. Faudra peut-être que tu passes acheter du charbon. Oui, bah on va pas passer au forge lol. Charbon, on est pas bien à quel point. Ah, on en a bah, cuit. Hein. Il y en a cuit dans le coffre. Ouais, bah, ouais, t'en as peut-être plus sur toi. Hein. Ah non, à chaque fois je les redépose. Pareil, l'excédent de bois, je le dépose aussi. Donc... Niveau matériaux bruts, je sais que j'en ai 36, je sais pas combien t'en as toi de ton côté. Large, 27. Ok, donc pas besoin d'en acheter. Non, on est bon. Non, moi je suis bon sur tout. Par contre, je crois que t'as des iris, des machins, si jamais tu veux refaire des popos de machins, de trucs ou de bidules. J'ai pas assez de couscous, comme tu dis. Ah, pas assez de couscous. Alors là, plus de couscous il faut. Hein. Hop, je valide des trucs, là, et des machins. Forge! Alors, prenons notre maître des forges, les casques. On peut faire un chapal qui donne juste 4 d'armure, hein. Bon, c'est le truc de base. Hein. Oh, je l'ai raté. Ah ouais, je l'ai raté. C'est tellement plus long quand c'est niveau 1, du coup je me fais avoir par la lenteur du truc. Mais c'est pas grave. Une barbute en fer qui donne juste de la garde et de l'armure. Ouais, une barbe en fer pourri, ça dégage. Ensuite, un bassinet en fer. Let's go. 3 de garde et 7 d'armure. Ouais, et 2 de garde supplémentaires par renfort appliqué sur l'armure. T'as vu ça où, toi? Bah, c'est le blindage 1. Ah, ok. Voilà. J'ai fait mes merdouilles. Maintenant, est-ce qu'on en fait des vrais ou pas? J'en sais rien. J'ai juste fait mes merdouilles pour faire mes merdouilles. Voilà. Je sais pas si tu veux des casse-couilles, des machins. Non, ça m'intéresse pas, pardon.
pour l'instant c'est un peu voilà. Bon, après c'est des petits bonus à la con hein, ça peut toujours se faire ouais. On fait du matos, c'est toi qui vois. On était allé là. En vrai, on devrait même pas te poser de questions, on devrait les faire, mais bon, on n'est pas sérieux. Moi je suis pas d'accord pour les faire pour le moment. Pourquoi? Ok, c'est bon, on y allait. Parce que ça va nous bouffer des ressources. Oui, mais c'est des ressources... Alors, je vais même te dire, tiens, regarde, c'est quoi, je vais même te dire ce que ça nous bouffe. Même te dire, tu vois, tu vas faire ah. Genre, la armure lourde, elle me mange un matériau, un cuir, 5 minerais de fer. C'est trop. Bah non, 5 minerais de fer, j'en ai rien à foutre. Cuir, on a 78. J'en ai rien à foutre. Les petites barbutes à la con, c'est 3 minerais de fer, 2 cuir et 2 matériaux. Ouais. Et tes chapeaux, c'est 2 tissus, 2 cuir et une corde. Ouais, en sachant mais... qu'on a 33 de chambres en réserve. Non, c'est bon, ça ira. Donc, et ben moi, je vais faire un bassinet de fer. Pour notre tank. Let's go. Et en plus elle est parfaite. Et elle est 3 étoiles. 3 étoiles. Voilà, donc 6 de garde et 11 d'armure, blindage 1. Pour mettre sur ma vigue, donc ma vigue elle est là. Mais Elle a 3 renforts d'armure sur son armure, je rappelle. Ça fait 6% de... Putain, ouais. Sympa, ça. Bah ouais, hein. Moi je prends. Hein. Ça nous... T'as vu ce que ça nous a coûté pour faire ça? Moi je prends. Hein. Je prends avec beaucoup de plaisir même. Hein. Ouais. J'ai pas regardé d'ailleurs si je pouvais lui forger une vraie armure. Si... Ah bah elle a déjà le harnois de givracier, excusez-moi. C'est mes persos qui vont en avoir besoin dans pas longtemps, moi. Après, moi, je porte que de l'intermédiaire, je crois, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est full intermédiaire partout. Et ben, je vais faire des casques en intermédiaire. Ouais, ouais. Il va falloir qu'on fasse... qu'on se mette à faire des armures pour mes gars. Tu verrais ce que j'ai... Tu veux pas? Bah, parce que avant, les renforts étaient pas intéressants. Maintenant, il y a le renfort qui donne 6% de coup critique. Là, ça m'intéresse plus. Ça me donne vraiment des stats. Là, ça va être bien. Donc oui, je vais vouloir. Mais pour le moment, on n'a pas le renfort de... Je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est celui du faucon. On n'a pas le renfort du faucon, donc c'est pas intéressant. C'est vrai. Dès qu'on l'a, par contre, le faucon colossal, je vais le vouloir. Eh bah, on attend de Knarfant pour sortir quand tu... Bah, je suis en train de faire des casques. Oui, non, mais quand tu seras prêt pour sortir, monsieur, quand tu seras prêt pour sortir... Je fais des casques. J'aimerais bien en faire un parfait, d'ailleurs. Oh putain, hé. Sérieux? J'ai tapé à côté. Je savais même pas que je pouvais taper à côté d'un truc. Très rigolo. Je suppose que j'ai 50 fois le même casque. Ah non. J'ai des 1 étoile quand même. Hein. Ok. J'ai pas de... Il m'en faut combien? 1, 2, 3, 4. Il m'en faut 4. Bon bah... Les deux tankos. Hein. Voilà. Les 1 étoile, c'est vraiment de la merdaille. Moi, je les referais bien. Mais est-ce que t'es en accord avec ça? Dis-moi, c'est quoi? Bah, il faut que je voudrais refaire des barbutes en fer, parce que j'ai fait des 1 étoile. J'aurais fait au moins des 2 étoiles, mais... Vas-y. Après, regarde si t'as pas... Y a pas des plans que t'as pas encore fait. Comme on a claqué des trucs. Bah non, y a... Dans le compendium, y a... Non, des plans que toi, tu n'as pas encore fait dans le... J'ai pas encore forgé. Ah, mais j'ai tout forgé, monsieur, moi. Ok, bah, je vais regarder... Attends, je vais vérifier, mais... Après, ce qui va nous manquer, c'est plutôt le givracier. Oui, voilà, c'est ça. La gambison en givracier. Mais il nous manque deux givraciers, en fait. C'est ça qui nous manque. Voilà. Ouais. La gambison, qui est l'armure intermédiaire de haut niveau. Le pourpoint en givracier, il a été fait. Après, j'ai fabriqué toutes les merdes. Je me rappelle les avoir toutes fabriquées. Il faut que j'aille voir si... Dans les armures de base, il n'y a rien à faire. Les culs en givracier, évidemment, c'est celui qu'on a. Les haches, les fossiles d'élite, les super couteaux, tout a été fait. Tout a été fait là-dedans. On pourrait faire la... Alors,
repas de cuisine, on pourrait faire la fable du loup et du houblon. Que tu n'as pas fait. Est-ce que je peux la faire? Bah, il faut de la côte de loup à la bière, des fruits confits et de la bière. On a acheté des fruits. Oui, on les a achetés. Oui, parce que jusqu'ici, si je l'avais pas fait, c'est parce que j'avais pas la recette des fruits confits. Ok, j'ai fait le tour de tout. Oui, j'ai tout forgé. Et les Sauf fruits confits, un truc, mais il nous manque deux givraciers pour le faire. Les fruits confits, on les a et on peut faire la recette des porridge aussi, je pense, avec tout ce qu'on a. Oui. Peut-être manquer de miel. Putain, merde. Voilà. Et ah là, oui, bah c'est ça, cherche pas. Il nous manque du miel. Oui, mais en... Ouais. Je suis nul en forge, c'est terrible. C'est trop lent, c'est pour ça. Ah, je vais peut-être pouvoir faire du baume infectieux. Ouais, je vais pouvoir faire ça. Non, il faut du persil des marais, j'en ai. J'en ai. Ouais, okay. Je vais pouvoir faire un plan. Ouais, il y a des trucs que je peux faire. Pardon, Non, il n'y a pas de soucis. J'essaye de cliquer sur ma troupe depuis tout à l'heure, mais il voulait pas. Il voulait pas collaborer. Voilà. Moi, j'ai casqué ma troupe. Et parce que je ne te respecte pas, je vais casquer ta troupe. Voilà. Voici un chapal. Un vrai. Attention, j'en fais un. Voilà. Célérité 1, dégâts augmentés de 10% par malus subi. C'est de la merde. C'est de la merde, c'est pour ça que j'en voulais pas. Et tiens, je te le donne quand même. Ça fera un chapeau pour quelqu'un avec 6 d'armure. C'est plaisir. Plaisir d'offrir. Parce que tu me dis, t'en veux pas, mais c'est toujours ça de gagner. Hein. Ouais, Zinlan, tu vas gagner 6 d'armure. Surtout quand on se prend une gifle et qu'on a rien, quoi. Ouais, Zinlan était à 38 d'armure, ça devrait aller. Boum. Donc ça, c'est bon. Ensuite, notre cuisinier, tu voulais qu'on aille tambouiller. Alors attends, j'ai quelques plans que je peux faire. Vas-y, je t'en prie. Baume infectieux. Tac, ça fait monter un peu. Ah oui, il a une faucille. Alchimiste. Bam. Ah, on augmente hein, en niveau. Hein. Doucement mais sûrement. Hein. On a le fer pour que tu me fasses un jeu de 4 faucilles et de 4 haches de lancer en fer. Oui, bien sûr. Tu peux aller me faire large. Ça bien sûr. Juste un. Forge. Les trucs de base ou tu veux des fantômes? Truc de base. Ok. C'est les mains gauches. Couteau, faucille, il te faut quoi? Faucille et hache. Faucille et hache et il t'en faut 4. C'est parti. C'est ça. Bah, une seule quoi. Oui. Il faut 4 pièces quoi, ouais. Donc 4 pièces, un seul. Hop là. Tu es en train de me dire que tu vas nous fabriquer des objets en poison, des nouveaux jouets pour Taurus? C'est ça, il faudra que tu les mettes dans le coffre. Oui, attends, ça arrive. Hop, je te balance ça. Tac. Ah, mais tu m'empêches de te l'en balancer. Ah, tu veux pas que je te le balance aussi? Tiens, voilà, c'est bon, tu les as. Mumuse-toi bien. Mumuse-moi bien. Ce qui est marrant, c'est que j'en utilise 3 pour en faire un. Des jouets. Ouais. Plein de jouets. M'en fous, j'ai gagné des nouveaux jouets à la con. Je vérifie que j'ai rien d'autre à faire. Bon, il y a l'huile de conversion que je peux pas faire. Il manque du miel. Ah, le miel, la ressource la plus rare du jeu, hein. Définitivement. Bah, tant qu'on n'a pas On va retourner taper sur une enclume, je crois. C'est ça. Est-ce que je prends les néocètes de casque ou je débloque l'écu lourd en acier acadien? Écu lourd en acier acadien requiert niveau 11. Bon, ça sert à rien. Mais j'aurais pu en forger un. Oui. Donc, voilà. 7 de dégâts, c'est quoi ça? C'est grande masse ailette, les grandes haches en givracier. Et la flamberge. Ah ouais. Bon, il faudra que je les fasse un jour, ça serait pas mal. Mais bon, vu la quantité de givraciers qu'on a en stock, on va peut-être faire. Ouais.
On peut retourner à la forge si vous voulez. On va retourner à la forge et là, j'espère qu'on va avoir assez de fer pour pouvoir faire et équiper la troupe au moins avec les trucs en... C'est pour ça que tu voulais du fer, mais après si tu veux du fer, regarde, on est ici. On fait bonjour du con. T'aurais pas encore du fer sur toi, il y a 20 de fer là le monsieur. Hop. Allez, je te pète à tout ton fer, on n'en parle plus jamais, Shina il est rassuré. Bisous ma gueule. Allez vas-y, amuse-toi. Le givracier, je sais qu'on en a pas énormément, donc au moins faire ça avec le cure fantôme. Et même le cure fantôme, je suis pas sûr qu'on en ait assez. Hein. Non, clairement on en a pas assez, hein. On en a que 8. Hein. Clairement on en aura pas assez. Si mais au moins on peut faire un exemplaire de chaque. On peut faire un exemplaire de chaque pour faire progresser la connaissance. Il faut quoi? On pourra faire un exemplaire de chaque casque, là. Ouais. Oui, je pense que ça se fait. Ouais. 3, 6, 8. Ah oui, alors pile. Ouais. C'est pile ça. 3 exemplaires de chaque. Enfin, pile un exemplaire de chaque. C'est parti. Un casque parfait avec le blindage 2. Cette unité gagne 3% de garde supplémentaire par renfort appliqué à l'armure. 6 de garde, 20 d'armure. Pas mal. Pas mal. Allons-y. Donc ça, c'était l'oursic fantôme. Maintenant, le sangli casque fantôme. C'est y part. Le sangli casque, donc fantôme 2 étoiles, 5 de garde, 15 d'armure, stabilité 2. Cette unité n'est pas affectée par fragilité. C'est bien ça. C'est cool. On prend toujours. C'est-à-dire qu'il est... Il met toujours ses baffes. Et la célérité 2. Le bandeau fantôme, c'est Tipa. Deux étoiles, 10 d'armure, célérité 2, cette unité n'est pas affectée par ralentissement. Trop bien. Tu veux un petit bain d'eau? Je veux bien. Tiens, merci. Un petit bain d'eau. T'as quelqu'un qui porte l'intermédiaire chez toi? Non, je crois que t'as que des gens légers. Du tout. J'ai que des gens légers jusqu'à maintenant. Du coup, ce casque qui donne la stabilité, je veux le fourrer à... Alors attends, c'est lequel l'ours? Orsic Fantôme. Ah bah Orsic Fantôme c'est facile. Orsic Fantôme, est-ce que c'est plus intéressant que ce que tu portes actuellement? Oui, parce que tu passes en blindage 2. Ok. Waouh. Sauvage. J'ai presque envie de le mettre sur Os de Barge juste pour qu'il ait encore l'air plus brutal. Dans le plus grand des calmes. En vrai, la peau de bête dessus est pas très jolie, mais la gueule du casque est cool. La grille. Et je crois qu'on peut faire un dernier plan qui sera la fable du loup et du houblon. Tac. Voilà. Ah, j'ai oublié de te demander si tu voulais garder un casque lourd pour ton prochain schiste. Non, c'est pas grave. Intermédiaire. On va faire pas mal de meutes fantômes, à mon avis. Donc, ensuite, ce que tu veux, c'est notre cuisinier. Ouais, le cuistot. Le cuistot. Dans les gros repas qu'il peut faire. Tac, je le passe en louche. Dans les gros repas qu'il peut faire, il peut peut-être faire la fable du loup et du houblon. Ragoût de porc au chou, infusion de chanvre, je ne peux rien faire d'autre. Et tout en bas, t'as rien? Je peux pas faire la fable du loup, je n'ai pas de bière. On n'est pas dans la bonne région. En fait, faut vraiment qu'on aille dans l'autre région pour aller récupérer du miel et de la bière. Ok, bah alors go. C'est là, on a rien dans le coin. Pareil, 20 gozans de berg, j'en ai pas assez. Le matfan aux pommes, j'ai rien du tout. Faudra garder. Enfin, j'ai rien du tout. J'ai plein de... Non, attends, remets-moi dans le camp. Calme-toi. Calme-toi deux secondes. Moi, à chaque fois, il faut que je switch pour me remettre la pelle au sel. Voilà. C'est bon ? Non, je vérifie juste s'il n'y a pas des saloperies que je peux sortir, genre la saucisse de loup à fond.
Ah, garde non, les non, non, trucs de loot. je garde tout en fait. Ouais, je garde tout. On n'a pas besoin de, on n'a pas besoin de bouffe, ça ira. Ça c'est bon. Idéalement, faudrait qu'on reste encore dans le coin puisqu'il nous faudrait encore une marchandise. Il faut qu'on fasse la traque. Donc le compte-rendu indique qu'une attaque a eu lieu dans un champ près de l'abbaye de Sainte-Éléor. Oui. Et la meute s'est enfuie dans une direction inconnue. Il faudra sûrement attendre la nuit. Oui, alors ça va être de l'autre côté, mais ça va être de nuit. En attendant, on peut descendre dans le sud. Là, Bah on a l'alerte à les buter. On a on a l'alerte à la les herte et buter. les paysans dans leur Attends, je vais dans leur regarder. champ. Bouge pas. Il y a un Oui. marchand. Non, c'est un marchand d'armure. Dommage. Je voulais regarder. Bah attends, quoique, Il il peut peut peut-être toujours avoir aller des voir. 4 ou un truc du genre. Il peut même avoir des matières premières à la limite. Hein. Il a Il a un un casque. casque. Qui est un intermédiaire, ça? Ouais, intermédiaire. Dégâts augmentés si cette unité n'a aucun malus de 20%. Dégâts Ah des ouais. attaques d'opportunité, 3 de garde, 20. Il est très bien ce Top. casque. Ça peut être intéressant. Moi je suis intéressé par le mettre sur Will par exemple. Bah vas-y, prends-le. Ah, voire même sur un capitaine en fait. Oui. Ben voilà. Et du coup, lieutenant Will change de casque pour un casque 2 étoiles. Ah bah t'avais aussi un casque 2 étoiles. Je n'ai que des casques 2 étoiles. Et c'est vendu. On a combien de fourrure à l'heure actuelle? Tiens, je vais vendre tout ça en fait, j'ai trop de merdier. Fourrure de base ou... Oui, fourrure de base. Non, de fourrure, la ressource de luxe. Ah, je te dis, il nous manque une ressource, on est à 7. Ok. Tac, alors je remonte du fer dans l'inventaire général, parce que je sais pas pourquoi j'ai du fer sur moi. Tu l'as acheté? Hop, 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 hop. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié ce détail. Je regarde ce qu'on a comme ressources à déposer en commun, autre que la nourriture. Sûr, hein, je voudrais pas te faire peur. On va se garder un peu de rats là-haut. Bah attends, on avait des paysans aussi à taper. Ouais, on peut attaquer ça, si tu Ouais, veux. on peut attaquer ça. Hein. Si tu veux, si, vas-y, vas-y. Long have I prayed to see Count Lahad's soul. Let us fight for the glory of the all-seeing eye, Bah, mercenaries. Des sapeurs, des connards. Il y a une tête brûlée. Ouais, bah tiens, on va lui brûler sa gueule. Si ça Ouais! s'aligne bien, le capitaine, il peut le cramer avec un de ses potes, si jamais ils veulent. Capitaine, il peut faire ça. Hop là. Alors. Oh, on a opportuniste du chef! Ça veut dire que quand on tape sur leur vie. Comment ça, Ça on fait drôle. ignore leur armure, t'es en train de me dire? Non, on tape. En fait, opportuniste, ça fait que à chaque fois qu'on touche quelqu'un, on lui inflige 5% de sa vie en plus. Alors, je vais juste le mettre loin, celui-là, histoire qu'il se fasse pas arrête. Mavic, machin, Zinlen, tout le bordel, Will, je regroupe les gens. Il est où le capitaine? Mon mur, il est là, À en mon beau bas. mur, par ici, là, paf, au milieu. Attends, je vais mettre le seigneur Vernalis Taurus. dans le pack. Ouais, si tu veux. Bah, histoire qu'il se fasse pas casser la gueule. Par contre, son sapeur à la con, casse-toi. Rien à foutre. Attends, on va le mettre là. Ouais, fais-moi un pack de leurs sbires à la con, genre. Là, tiens, 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 tout à gauche, regarde. Hop là, Vernalis, tu veux qu'on le garde. Ok, Vernalis, même, c'est quoi? Ouais. On peut même le centraliser un peu plus. Le sapeur, casse-toi, on s'en fout. Le légionnaire, casse-toi, on s'en fout. T'en as d'autres comme ça, là? Des alliés. Ah non, c'est bon. Non, non, c'est bon, bah voilà. Regroupez-vous comme ça, foutez-nous la paix, dégagez. Il est où l'autre gros à la con, là? Toujours à droite là-bas, à Ah, il l'extrême est tout droite. seul. Ok, comme d'hab. Tout seul, extrême droite. Pouep, pouep, Il y a un petit compte Laerte qu'il faudrait aller buter. Hein. il est où lui? Là, juste Compte en face Laerte, c'est d'os bon, de je le barbe. vois. C'est bon, tu le vois. Mais bon, hein, j'avais pris la destination déjà. Je pense que tu vas venir te mettre là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est vrai? Et Tu te en mettrais vrai, où? je sais pas parce que je me dis, si je me positionne bien, est-ce que j'en ai pas trois? Ah non, j'en aurai toujours que deux. Que dalle, t'en as Voilà, que deux. faut quand même. Bah ça va, hein.
Dis-moi que je puisse augmenter de 1 mètre la portée de mon marteau. Je suis pas sûr que ce soit possible, ça. Ouais, le jeu l'autorise pas, mais c'est dommage. Ça marche que pour les archers, mais sinon ça aurait été très drôle. Tu doubles la portée, mais c'est pas une arme de jet. Si, je peux le jeter dans la gueule bon, des gens. Hein, je vais leur taper dessus, hein, direct. Hein. Ah, bonjour, monsieur. Vous avez vu mon casque, comment il est beau? Ah non, mais tu l'as fait deux fois. Ah oui, ça veut dire que si je tape 3 mecs, ils se prennent 3 fois le tic. Chacun. J'ai c'est pas beau compris, ça. Là, ouais. Alors, bah en fait, ils se prennent un retour de dégâts grâce au casque, mais par mec que j'ai touché dans l'attaque. Wow. Donc si je touche 3 mecs, ils se prennent 3 tics de dégâts. Wow. C'est un peu sexy quand même. Ouais, tu veux buter le comte ou pas? Je vais me placer par là, bonjour. Ah, je peux finir que lui. Bon, attends, déjà on va taper lui là. Il lui reste encore de l'armure, c'est bien dommage, mais. Bah, tu fais plus mal quand il y a de l'armure. Pourquoi tu me dis que je peux le faire, mais je peux pas? Ah, je peux pas le blesser. Lui au corps à corps. Ah. Arrête de couiner, toi. Donc, il faut que je me dégage. Il faut quand même que j'achève ce connard tant qu'à faire. Mmh. Voilà. Ça, c'est un archer. Bon, de toute façon, je vais me le prendre dans la gueule, forcément. Bah, mais. Oui, non, mais. Je... Surtout, je me le prendrai de face. Et je réembrouille la Hearth. Parce qu'il n'y a pas de raison, en fait. Voilà. Pourquoi je sens qu'il va t'aider? Putain, qu'est-ce qu'il cavale, lui? Oh, mais ça va sans sa peur nulle. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce qu'il cavale, cet enculé? J'ai jamais vu un archer courir autant. Il a combien de mouvements? 16? Ouais. Calmez-vous, monsieur. 16. Après, tu vas voir des archers courir. Oh, j'ai... Oh. Attends. J'ai... Qu'est-ce que t'as? T'as une ligne incroyable, c'est ça? Non. Tu vois le destin? J'ai qu'une ligne de 2. Ah, 3, si j'ai d'avoir la tête brûlée en plus. D'ailleurs, la tête brûlée, elle a quoi? Oh. Mais tire sur l'air, c'est direct. C'est bleu. C'est le prochain joueur en plus. Clique. Ok. Ou tu veux que je joue un capitaine? Oui, tu peux jouer un capitaine. Pour nous donner des points, des machins, j'en sais rien. Ah oui, mais je vais peut-être être bloqué par les copains. Putain, par contre, ça vaut tellement de coups. Vas-y. Ça vaut trop le coup. Ça va être beaucoup trop le coup. Ah, en plus, tu peux bouger. Je pars là. Je hey, peux venir. Tu peux aller chercher la Hearth, hein. Tu peux aller chercher et finir la Hearth, comme ça. Ouais, bah attends, il y a lui qui nous gêne, là, déjà. Avec son copain, là. Ils sont deux, là, à me casser les couilles. Moins 60. Dommage, c'est pas le bon. Attends, quoi? Tu lui as enfilé... C'est pas mal comme façon de jouer. Ah ouais. Tu kiffes le style ou pas? Termine le sapeur, hein. Un petit coup de pied dans les couilles. Dans les roustes. Ce qui prend l'autre con dans la gueule, c'est incroyable. Et le capitaine, bien sûr, adore marcher dans les flammes. Pourquoi je peux pas le... Parce qu'il a pas moins de 50% de sa vie. Quoi? Sérieux, lui? Il doit avoir pile 50%. Attends, t'es sérieux? Même pas. Non, il a 51% parce qu'il a 83 au lieu de 82. Ah, le tarma. c'est un bon tarbalisme. Bon, de toute façon, t'hésites pas, tu nous tires dessus si t'as envie. Hein. T'inquiète. Est-ce que je l'embrouillerai pas d'ailleurs la Hearth? Comme ça, si jamais il meurt pas, de toute façon, ce point sera remboursé. Et comme ça, j'aurai la riposte. Ouais, vas-y, si tu veux. Oui, tu vas le buter en fait. S'il va te toucher, tu vas le buter. Ah, s'il ose, hein. S'il ose, hein. Ah, peut-être qu'il repousse aussi, j'ai pas regardé. Non, il a le déjeuner. Qu'est-ce que je leur ai mis? Dans ce cas-là, moi, je vais m'occuper avec mes archers ici. Bon, tu regardes ce qu'ils jouent, quoi. Alors, s'ils jouent beaucoup, non? Ils jouent deux fois. Non, spadassin. Ah non, ok. Parce que c'est un spadassin. Bon, tu veux que je termine la Hearth ou pas? Non, comme tu le sens. Toi, ce qui t'arrange avec ton gros arc, ton machin. Si t'as envie de tirer à travers nos troupes et de percer les légionnaires et tout, tu fais ce que tu veux. Si t'as envie de tirer à droite sur spadassin, ambassadeur, tout ça... Je sais que je mets. Stylé le casque de l'ambassadeur quand même. Hein. Ouais, grave. Elle rentre en champ toute unité qui inflige des dégâts à cette unité de... en mêlée a 20% de chance de subir un saignement. Oh, un peu de soi quand même. Hein. La zone. Bien la mettre, ouais, concentré, ouais. Hein. Bien comme ça, ouais. Centré un peu plus top, ouais, c'est très bien, c'est parfait. Vas-y, impressionne-nous. Waouh! Ça, c'est un tour de gaming.
Arme anticoagulante. Il vient de t'infliger quoi là exactement? J'ai pas eu le temps de voir. Je sais pas. Mais Attends, l'autre Ah si, la ça devait même. être enseignement. Parce que je Ah, viens de gagner encore deux de rage. toutes les attaques appliquent saignement. Pardon, c'est violent Bah ça. c'est pas grave, moi je suis immunisé au saignement donc ça me Ouais. va très bien. Ouais, il m'a juste refilé deux de rage supplémentaires quoi. Il s'est dit, ah, tu vas mourir! Et, bah il s'est tombé le capitaine. Heureusement que c'est un homme charmant le capitaine. Est-ce que tu veux que je joue par exemple Will pour donner des points de commandement Ouais, moi j'aurais dit sur les gens? encore. Ouais, vas-y, j'allais dire Taurus pour donner la bouta, mais vas-y. Ah oui, ou la brutalité comme tu veux. Non, Après, la bah joue. brutalité, je peux te la donner puisque je vais finir à côté de toi. Joue Will. Il l'a déjà. Zenlen l'a déjà. Il a déjà la brutality. Ouais, je J'essaye suis à de faire côté de un Stevie. petit paquet de. Je peux faire quoi? 4 gars là, mais c'est un type random dont on s'en fout. Sinon, c'est Dédénal. Non, c'est Tirailleuse. Hein? Le mec vient de me faire un comportement. Mais. Oh, ça y est, le jeu qui vient de partir en vrille tout seul. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Le jeu vient de partir en vrille tout seul. Il a joué tout seul. Bravo le jeu. Le jeu, il joue tout seul, hein. Non, c'est moi. C'est toi? Oui, c'est moi. J'ai mis Seigneur Vernalis en défendre pour pas qu'il aille se suicider. C'est tout. Oh, tu peux l'envoyer au suicide en vrai, hein. Il dérange personne. Si il meurt, on est Tac. mort. Si on est mort, il est mort. Si, si, bref. Ouais, bon, j'ai compris. S'il est mort, il est mort. Ok. Ma vie, Galiotan Will, la relation s'est améliorée de manière sexuelle. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, Ah, tu vas le pousser monsieur, là? est-ce que vous pouvez reculer? T'as vu, pour une fois, j'ai demandé gentiment. Le monsieur, il est sorti tout seul comme un grand. 189, c'est tout? Oh, t'es Et il faut que je triste. finisse mon tour à côté de quelqu'un. Tiens, t'as toujours besoin de brutalité et d'amitié. Voilà. Voilà. Après, je peux, selon ce que t'as besoin, moi, soit je peux passer des tours, par exemple, avec Will, machin, tout ça. Enfin, pas Stevian, par exemple, pour gagner des points, tu me diras ce que t'as besoin. Oh non, regarde, là, il y a un légionnaire qui me tourne le dos. On va être. Je Oh, mets t'es si peu poussé, de hein. dégâts. Mais j'ai deux attaques. C'était ridicule, monsieur, mais... Ah, si, 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 le saignement, tout ça. Ah, ouais, non, en vrai, il a fait un move incroyable, le gars. C'est Edenal qui a mis le saignement. Ah, d'accord. Mais c'était incroyable. Bon, par contre, Aïe. Zidane, faut jouer des fois, hein, c'est... Enfoiré de merde. Il a collé le saignement à tout le monde. Il a fait le meilleur tour de game possible. Je vais jouer Taurus, hein. On va... On va brutaliser notre groupe là parce que... Wow. Non, j'ai pas envie de gaspiller quoi que ce soit sur lui là. Bah, va gaspiller là-dessus, sur la tête brûlée. Oui, c'est ça, hein, Ils aiment bien nous mettre le saignement, ces cons, hein. Parce que j'ai pris quoi? Ah, j'ai pris confus en plus. Oh là, mais les gars, eh, ça va? On se régale? En plus, le mec, il a 5 PV à côté de nous. Non, mais je vais finir avec ma vie. Hein. Ça, si tu veux gagner des points. Mais ça, si tu veux gagner des points. Attends, Mais. je regarde qui peut gagner des points. Personne. Si, si. Attends, je t'ai pas boosté. Non, t'as pas boosté Ah, j'ai tirailleuse. pas eu tirailleuse, oui, parce que j'étais à l'avant. Bah alors, du coup, qui est-ce que j'ai boosté? Ah, bah, c'est Taurus que j'ai boosté. D'accord. Ah, oui, putain, j'ai eu aucun de tes couteliers, dommage. Premier couteau qui ignore la garde. Ça a bien ignoré la garde. Par contre, avec elle, si jamais tu peux revenir, ça pourrait être intéressant que tu boostes tirailleuse et Ah, Edenal. mais. Si jamais. T'inquiète pas, Non, parce que ça je va sais être que t'es frais, mobilette, hein. mais. Ensuite, les ambassadeurs, je peux pas les engager. Je... Plus qu'à partir, hein. Broum.
J'ai très mal placé Taurus, je vais le perdre. Non, tu peux jouer ma ville. Ouais, mais... Mais le problème, c'est que je peux pas les engager. Donc ils pourront choisir de bouger comme ils veulent et à tuer Taurus, en fait. Ouais. Ah, j'ai encore une chance de les emmerder avec Stivillon. Ouais, c'est pour ça que je vais te laisser pouvoir te barrer comme ça. Je suis déjà boosted voilà. Avec... ok. Déjà boosted avec Stevie, c'est pour ça. Et... Bah, bon, je tu veux tuer des gens de Ah, t'as plus d'attaque? Si, j'ai encore une attaque qui consomme 2, mais ça m'engagerait forcément. Ouais. Et ça ne mettrait que de 60 à 78, rien de quoi tuer. Non, c'est pas... Bah, sauf si quelqu'un a déjà joué dans la liste qui suit, mais je crois pas... Mais avec Stevie, hein. Alors, moi je te propose un truc. Soit tu joues Stevie, soit je joue une tirailleuse qui va le repousser et le faire chier en fait. Mais vas-y, joue Stevie. Plus joue sur Stevie. Celui-là, je dirais. Plus sur celui-là, ok, pas de soucis. Parce qu'en fait, celui-là, je suis sûr qu'il va nous venir dessus. On est en face de lui, okay. Il a pas le choix, tu vois, il est obligé de venir. Ouais. Et là, en plus, ce qui est bien, c'est que je peux te le pousser déjà un premier coup, le gars. Si je fais ça, tout ça, est-ce que c'est bon, je le pousse? Ouais, c'est bon, je le pousse. Il y a des gens qui me spamment depuis tout à l'heure, c'est chiant. Voilà, j'ai gagné ma huile de force. Et maintenant, j'en ai... Avance-toi un peu plus. Ah oui, par contre, je suis obligé de sprint pour m'avancer un peu plus. Bah en fait, parce que son attaque est à distance, lui. Oui, je sais, c'est un 3 mètres comme moi. Voilà. Fureur. Remboursé. Ah, il peut jouer quand même, le bâtard. Ah ouais, c'est son bah, normalement, il est repoussé et arrêté, fin du tour. Non, repoussé, arrêté, et après, il peut toujours... Ah, il peut toujours taper, mais normalement, il est repoussé. Là, il a pas été repoussé. Premier poussage. Je pourrais pas le pousser plus, il est contre un rocher. Je sais. C'est dommage, j'ai pas le... T'as pas la course avec elle, mais pourquoi tu cours pas avec elle? T'aimes pas tirailleuse, hein, tu vois, t'aurais pu venir là. Et pourquoi faire? Bah, en fait, t'aurais pu le pousser encore plus loin. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Parce que là, du coup, il peut nous caquer, en fait. Il peut nous boucaquer. Il va nous boucaquer. Ah oui, mais du coup, c'est toi qui as bouffé. Ouais, bon, après, tu me diras, c'est que ton armure qui mange, mais... Ouais, j'aurais pu te mettre un soin, en fait, sur Taurus, je viens d'y penser. Oui, t'aurais pu faire des tas de choses. Mais bon, c'est pas grave. Hop là. Pourquoi elle est lente? Ah, mais parce qu'on est. Ouais. T'as moins de force qu'un ambassadeur? Wow. Bah oui, je te dis, c'est pour ça qu'il faut qu'on vire Mavig. Hein. Mavig, la réalité de la vie, c'est qu'elle est trop faible. Hein. Oui, je peux soigner personne. En fait, on est parti. On est parti sur un tank et pas sur quelqu'un avec un marteau. Ah, elle a débloqué le trait résilient. Cool. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de refondre ses stats. Non. Et ça, c'est un vrai problème. Mais à la base, Mavic, c'était vraiment juste pour nous dépanner le mur qu'on n'avait plus, quoi, en armure lourde. C'est ça. Et du coup, elle a été montée à la pisse. Pour ça, il faudrait vraiment qu'on trouve, je pense, un autre marteau et la virer. Ouais. Alors... J'ai cru qu'il tombait pas. Il est quand même bien tombé. Hein. Ouais.
Il va passer un sale moment, monsieur. C'est fort probable. T'as pas mal d'armure, mais je vais quand même aller me mettre derrière les archers. Oui, oh, il va te cacher, sinon il va venir te taper. Hein. Ouais. Alors que là, il va venir taper... Peut-être pas, hein. Il va peut-être choisir tes archers. Non, ça va. C'est bon. On a choisi le gros monsieur. Très, très bon choix, monsieur. Waouh, moins 61 sur sa santé. Le prochain à jouer, c'est la tête capitaine, brûlée. Donc mon capitaine, vas-y, assassine-le. Assassine. On prend un petit coup de feu, hein. J'avais un peu froid. Alors, un couteau qui ignore la garde. À 41. Et n'hésite pas à finir ton tour à côté du capitaine pour l'embraser. Hein, parce que lui, il gagne juste de la rage, le capitaine. Vous êtes pas à foutre le feu à ton capitaine. Hein. Bon bah, oui, si tu veux encore tuer quelqu'un, vas-y. Hein. Ah, j'ai cru que je pouvais pas me déplacer. J'ai eu peur. Ah, je fais qu'un petit 220, tu m'excuseras. Hein. Et n'oublie pas de finir ton tour à côté. tu peux soigner. Eh, tu peux soigner Osdevart si tu voulais. Par contre, ça pouvait se faire. Et j'hésite pas à finir mon tour ici, c'est ça? Non, tu t'es brûlé un poil. Alors, je suis désolé, mais même si je te brûle, tu gagneras pas de rage. Si. Bah non. Confus. Je peux pas gagner de bonus. Ok. Ok. Get noted. Il nous reste un bouffon à buter. T'as deux persos pour buter un bouffon. Moi, je propose tirailleuse. Comme ça, elle peut soigner ses potes, au moins un de ses potes, si elle veut, par exemple. Alors, si par exemple, elle veut renforcer son amitié avec Taurus. Taurus, t'es déjà marié, hein, tu te calmes. Je dis amitié. Caisse. Oh, il en prend des caisses, l'enfoiré, hein. Enfin, c'est un grand moment de gaming, hein, le gars. Moi, je le voyais courir dans le vide, hein. Ah bon? Ouais, moi même pas, ouais. Ouais, il a juste pas bougé, il s'est juste pris des caisses et des caisses dans la tronche. Hein. Ouais. Voilà. Si elle est engagée avec un allié, cet allié gagne riposte. Non, c'est du lance de merde, je laisse récupérer ça. L'armure, c'est de la merde, et celle-là, c'est de la merde. Je te laisse tout récupérer pour désosser si tu veux. Par contre, il va falloir réparer des armures. Hein. C'est fait. Voilà. Oh, la forge. Hop. Alors avant d'aller à la forge, moi, je récupère lanceur, il y avait un petit point à prendre. Ah, du bon char. Bon, monsieur, on prend tout, hein. Ouais, pas comme ça. Hein. Contrôle, pourquoi tu fais pas contrôle? Parce que ça fait un déluge de pognon, c'est beaucoup plus agréable. Oh. C'est pour te rappeler que je suis vraiment en train de gaspiller notre fric par-dessus bord. Ah oui, tiens, prends ça aussi, mon gars. Amuse-toi bien. Ouais. Allez, vas-y, cadeau. T'as récupéré de la merde. T'as récupéré ce que tu viens de forger à tes mecs. Hein. C'est vrai. Salut le chien. Pouette. Tu voulais qu'on aille voir un seigneur? Il y a un truc à voir là? Ouais, il faut qu'on termine le seigneur. Ouh, bonjour. Oh, il y a des boîtes. Il y a des boîtes avec de la bière, on pourrait faire des trucs. Il y a des gens partout. Il y a des gens avec du cuir. Il y a des gens avec des moustaches. On pourrait voler de la bière, mec, hein. Ouais, faudrait, hein. Mais Seigneur Vernalis, bonjour. They died because they opposed Jeru's will. You, however, have shown your devotion. The church will be just as grateful and delighted as I am. Please. Franchement, on méritait bien plus de 300 balles parce que les ennemis, c'était des vrais ennemis. Par contre, nos alliés, ils étaient vraiment. En mousse d'arbre, tu vois la mousse qui pousse sur les arbres. Moi je veux voir ce qu'il dit. Très bien, hein. Fais-moi de comtesse, n'est-ce pas? Ok. Et toi, qu'est-ce que tu dis à Fleury? Ah bon, toi tu seras vendu comme pétain, comme putain sur le marché, quoi, c'est tout. Ou alors ce sera sa cinquième femme. Franchement, vous auriez pu nous laisser taper la bière, hein, bande de salauds. Bon, on va aller taper les connards dans leur champ, là. Mais dans un prochain épisode. Dans un prochain épisode. Oh, regarde en plus ce qu'il y a à faire dans le prochain épisode. Il y a une brigade à taper. Il y a plein de gens là. Il y a un nuage de cauchemar. Il y a tout.
Le nuage en prio. Attends. Pause quand. Fin d'épisode, arrête de courir, tu niques tout le temps. Oh là là, incroyable. Non. Des bisous ton tube, à l'année prochaine. Des bisous ton tube.